Dominique tient au bout de ses mains une ligne. Il y a l'autre bout. Il y a un monsieur là-haut. Ça, c'est la route normalement. Ah, bah tiens, yeah, very high. Tu es prêt? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut récupérer au fur et à mesure. De tout en bas. On va débloquer. On va voir de l'autre côté bientôt. Ouais. Et on monte drôlement rapidement. En combien de minutes? Ouais. En quelques 9 minutes mètres, 9 mètres à 1, c'est quoi? 3-4 minutes? Pas plus? 4 minutes, 5 minutes? C'est impressionnant. Nous voilà 9 mètres. 9... Tu vois le bas? Ouais, 9 mètres au-dessus de l'eau, ouais, 9 mètres au-dessus de l'Atlantique. Nous avons un voisin. Monsieur, il nous suit, il fait les trois écluses avec nous, en nous tenant... Dernière porte des Gatun Lakes. 26 mètres au-dessus de la
Traversée du lac Gatun. Une grue qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui a été confisquée à Hitler et qui sert maintenant à la maintenance du canal, à enlever les portes des écluses, à lever les bateaux pilotes. Rio Chagres qui alimente le lac Gatun.
rentrer dans la première écluse qui mène au Pacifique. C'est l'écluse Pedro Miguel. La première qui donne accès au Pacifique. Voilà. Amériques. Un pont qui relie l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Thank you.